Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que selon toi, Mallarmé parvient à créer une forme de publication aussi participative que le journal? Est-ce que tu peux répéter? Je n'ai pas. Est-ce que selon toi, Mallarmé parvient à créer une forme de publication aussi participative que le journal? Selon moi, j'ai trouvé des similarités et des différences entre l'œuvre de Mallarmé et le journal. Pour les similarités, je pense qu'ils utilisent les caractères en gras, qui sont les gros titres quelquefois. Et dans la poésie de Mallarmé, on peut voir que les titres sont plus grands que les autres mots. Et pour les différences, je pense qu'il y a des différences entre l'œuvre de Mallarmé et le journal aussi. Dans l'œuvre de Mallarmé, il utilisait les doubles pages pour les poèmes parce qu'il veut montrer une image qui est quelquefois le thème. Les journaux peuvent utiliser beaucoup de pages pour les articles, mais je n'ai jamais vu un article en journal avec la structure que j'ai vue dans l'œuvre de Mallarmé. Et j'ai une question. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver les doubles pages, pas dans un journal, mais... Ce n'est pas dans un journal, mais dans un magazine, je pense que qu'on trouve une image sur le double page, mais je n'ai pas trouvé une double page de texte dans un article. C'est une question intéressante. Mais comme toi, je pense qu'il y a la similarité et la différence entre le livre de Mallarmé et un journal. Parce que le livre est un texte qui est publié, oui, mais un journal utilise beaucoup d'articles et un journal met l'article à jour. Le temps entre l'article, par exemple, le quotidien, mensuel, chaque semaine, et le livre de Mallarmé, il y a un seul livre. Oui. Oui, c'est une différence. Mais je pense la similarité et la créativité de le livre parce que oui, il utilise le double page et le journal utilise les méthodes créatives. Oui. Une autre chose que j'ai trouvée quand j'ai essayé de trouver des différences, et quand on lit le journal, on lit le journal dans une façon linéaire, mais quand on lit la poésie de Mallarmé, j'ai suivi l'image que j'ai vue. Ce Oui. n'était pas linéaire pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Oui, l'image de le texte de Mallarmé est différent parce que la personne qui voit la page interprète les idées. Je pense le thème ou le sujet de le livre de Mallarmé est
Il y a beaucoup d'idées, oui. 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 D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de similarités ou de différences entre l'œuvre de Mallarmé et les blogs? Et les blogs, je pense qu'il y a beaucoup de différences que la similarité parce que un blog est peut fluctuer beaucoup, mais un livre est très statique. Oui, et dans le livre de Mallarmé, les mots et il y a beaucoup de place sur la page, mais le livre est statique. Quand un livre est publié, on ne change pas. Mais quand on trouve un erreur sur la page d'un blog, on peut changer immédiatement. Oui. Et est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de similarités ou de différences? C'est un peu de les deux. Okay. Pour les similarités, j'ai pensé avec les blogs, j'ai vu plus des articles avec une structure très différente d'une livre traditionnelle. Je pense que c'est possible de publier un article qui a la même structure de la structure qu'on a trouvée dans l'œuvre de Mallarmé. Mais pour les différences, quand Mallarmé a essayé de créer les images avec les mots, il a utilisé le double page pour faire ça. Mais sur un blog, il y a une quantité infinitive pour créer les images. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de... comment dit-on? Oui, beaucoup d'espace. Oui, parce que sur le blog, il y a les pages continues. Par exemple, on peut utiliser la roulette de la souris pour faire défiler la page vers là-bas. Il est enfin infini, je pense. Et oui, il y a beaucoup d'espace. J'ai une question. D'accord. Son poste, le professeur a mentionné une question intéressante. Il demande, pensez-vous que Mallarmé arrive à transformer le livre en instrument d'exploration pour le lecteur ou dont on admettre que son livre ne contient que les pensées de son auteur? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est un mélange de les deux, mais j'ai beaucoup à dire avec le premier point qu'il a posé. Si tu vois les poèmes qu'on a lus cette semestre, on peut voir que beaucoup les poèmes étaient dans la forme, les paragraphes où il y a les phrases, seulement nos phrases ou quelque chose comme ça. Et c'était la première fois que j'ai vu une poème qui a essayé de créer une image. Et j'ai pensé que c'était très chouette que cette image peut être le thème. Et j'ai aimé comment il a fait ça parce que ça peut nous donner les idées pour comment on peut exprimer les idées. On ne doit pas seulement écrire les paragraphes et les paragraphes. Qu'est-ce que Oui. tu penses? Je pense que le livre est un instrument d'exploration pour le lecteur. Parce que
Dans son explication, le professeur a mentionné qu'il y a un seul poème dans le livre et pas plusieurs, mais j'ai un peu confus au début parce que les caractères majuscules, mais maintenant je pense que le titre. Ce n'est pas le titre, mais les mots qui utilisent les caractères majuscules discutent un sujet ou un thème que Mallarmé veut expliquer au lecteur. Et je pense que ces mots guide les lecteurs pour explorer le texte. Oui, c'est une bonne explication. Oui. Est-ce que tu as des autres questions ou? Non. Et toi? Non. Oui. C'est fini. D'accord. C'est fini.